Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu en ligne Magic The Gathering Arena. Et alors, il y a des petites nouveautés, hop, je passe assez rapidement. Obtenues, ce sont des récompenses, deux cartes. De toute façon, à chaque modification, Dominar United, construction, ok, continuer. Donc j'ai récupéré pas mal de petites récompenses. Carte interdite en standard, ok. Et je récupère aussi une récompense, un joker rare, donc ça peut être sympa. Et il me reste lancer 30 sorts rouges ou blancs, jouer 25 terrains, attaquer 30 créatures. Ok, il me reste ça en mission. Je vais repartir avec un deck blanc. Un deck blanc qui, dans la dernière vidéo, vous avez pu le voir, est construit avec plein de cartes différentes. Il n'y a pas de stratégie particulière. Et j'ai pu me sortir de combats assez hallucinants et réussir des victoires. Alors que j'avais quasiment perdu les combats. C'est vrai que c'est assez incroyable. Ok, on va garder, on va bien. Ouais, mais bon, il me faut des terrains. Il faut du mana blanc. Bon, on va garder, j'ai 3 mana blanc, on va voir. Ce serait bien que... Ah bah non! Oh, c'est pas cool. J'ai même pas joué. Oh, ça commence fort. Hein. À mon avis, il a eu une main qui lui plaisait pas du tout. Et puis il a décidé d'abandonner directement. Bon, bah on récupère les récompenses. Je suis qu'à 1450 pièces. C'est vrai qu'il y a une sortie qui va être très prochainement. Il faudrait peut-être que j'augmente mon nombre de pièces pour à cette sortie pouvoir récupérer des boosters de cette nouvelle édition et je vais voir comment je vais gérer. Réussir les missions, c'est important. Terrain Lunark, ok. Ok, bon, bah, on y va avec ça, ça me paraît intéressant à jouer. Allez, on y va. Ça. Bon bah oui. Oula, transformation est sympa.
Je suis un peu coincé. Mais il a transformé deux créatures. Il pioche beaucoup de cartes, hein, en tout cas. Je peux pas attaquer, je suis un peu coincé. Comme il a un deck multicolore, je pense qu'à un moment il va mettre du lourd. Bon, moi pour l'instant j'ai pas grand chose. Je trouve qu'il pioche beaucoup quand même beaucoup de cartes. Pour pas grand chose, je suis un peu étonné. Il reste qu'une carte, mais ouais. Il reste 36 cartes. À mon avis, il a des super cartes qui vont arriver. Je pense qu'il va arriver à la fin de son deck avec des super cartes. Learned much during my travels. Let me show you. Ah oui, d'accord, quand même. Ok. Ça va être compliqué là maintenant. Ouais, ça permet en même temps de découvrir des cartes très sympas. Je vais pas pouvoir le contrer, mais bon. Bien piocher quelque chose et pouvoir avancer, mais là j'avance pas, hein, je suis. Lui il cherche les vraies cartes qui vont l'aider et puis qui vont renverser le combat tout simplement. Après je dois avouer que le deck que j'ai dû construire, c'est enlever, j'ai enlevé beaucoup d'anciennes cartes qui étaient plus valides en tournoi standard et j'ai mis des nouvelles cartes aléatoires. Mais un exemplaire de chaque, je sais pas, je me suis pas basé sur une stratégie en particulier. Et c'est vrai que j'ai pas forcément des super cartes quoi, tout simplement.
Par contre, cette carte, il a eu combien de fois pour pouvoir piocher autant de cartes? C'est un peu étonnant. Remember your training. Vu que j'ai pas de sort, ça va être compliqué. Hein, là. Ça sent la fin. Après, je trouve qu'il a été laborieux pour me battre. Je trouve qu'il a mis du temps en fait. Parce que il aurait pu faire beaucoup mieux, hein, en fait. Kamigawa fail my family again. I know something you... En tout cas, j'aurais fait utiliser vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de cartes. Alors qu'il a quand même quelque chose, je pense qu'il a un deck prédéfini, quelque chose de stratégiquement intéressant. Moi, c'est pas le cas.
Bon, c'est marrant ça quand même là. Putain, cette carte, elle est vraiment formidable, cette carte, les amis, parce que, vous voyez, j'avais beaucoup de terrain et... bon, c'est pas... Ça va peut-être handicapé, mais là... on va voir. Je crois que c'est là qu'elle vient de vie. Après, j'ai plus de cartes qu'on vole, donc ça va être un problème. Je suis obligé de l'attaquer, de toute façon. Si je peux. Il pose quand même beaucoup de cartes sympas. May your blade strike true. J'aurais dû attaquer avec tout en fait. J'ai peut-être fait une erreur, mais c'est pas grave. Ouais, on y va, de toute façon, sinon j'ai perdu. J'ai perdu là. Ouais, c'était un peu n'importe quoi. Bon. De toute façon, c'était un Ave Maria, on va dire. Parce qu'il allait me battre en deux tours. Hein, donc. Il m'avait enlevé ma créature avec vol. Et je me retrouvais complètement coincé. Ça, c'est dommage. Sinon, j'avais repris le dessus. Hein. Allez, on va arrêter. Hop, on abandonne. Concédé. C'est dommage, ça s'est pas joué à grand chose. J'ai eu vraiment cette carte qui me permettait presque de renverser la partie. S'il m'avait pas enlevé ma créature avec vol, j'aurais pu renverser la partie tout simplement. C'est assez étonnant. Ah, je récupère ça aussi. Ok. Ok, bon, on va récupérer. Oh, bah, c'est bien, en plus je récupère lancer 30 sorts. Et puis j'avance aussi sur les terrains et les créatures. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, bah, on repart parce que je vais continuer les missions. C'est vrai que c'était serré finalement avec un deck construit comme ça. Ce deck, il est étonnant, vraiment étonnant. Il y a quand même des cartes qui sont super fortes.
J'aurais dû jouer la petite, mais bon, c'est pas grave. Il y a pas mal de sorts. Hein. Ah, bien joué. Là, il va me l'enlever. Obligé de la remettre pour essayer de récupérer des points de vie. Sûr de ça. J'en étais sûr de ça, qu'il allait mettre un sort et puis qu'il allait me la détruire. Ça va être compliqué, je peux pas faire grand chose. Hein. Ce combat je subis en fait, je peux pas faire grand chose. Puis surtout je tire pas de terrain. Donc c'est assez compliqué.
C'est vrai que mon deck est trop faible, je subis le jeu des adversaires. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que ben, ça dure. C'est-à-dire que je les embête vraiment. J'arrive à les bloquer. Mais ils ont du mal à me battre, en fait, les adversaires. J'ai même réussi à renverser des situations dans d'autres combats. Que là, ils ont beaucoup de mal à me battre, en fait. Ah là, par contre, ce qui est étonnant, j'ai quand même plus de 20 terrains dans mon... dans mon deck et je n'ai rien du tout. On va mettre ça, on verra bien. Ah bah oui, là, je peux rien faire. Je peux rien faire. Allez, on abandonne parce que j'ai plus rien à faire. Alors après, c'est ce qui est frustrant, c'est que voilà, il m'a enlevé à chaque fois les cartes que je mettais, il avait quelque chose qui me contrait. Alors déjà que j'ai pas grand chose, c'est ça qui était vraiment qui est pénible. En fait, j'ai subi, je joue pas vraiment, je subis, c'est vrai que mon deck est trop faible, et je subis, hein, c'est pénible ça, j'ai perdu la possibilité d'utiliser plein de cartes qui étaient vraiment sympas. Tous les anges, j'avais créé un deck ange qui était vraiment sympa à jouer, et de plus pouvoir jouer avec ce deck, c'est pas top quoi. Il faut maintenant retrouver des mécanismes, des cartes avec des mécanismes qui sont sympas à jouer. C'est vrai qu'il faut chercher. Malheureusement, j'arrive pas à avoir assez de temps pour pouvoir le faire. Cette carte est vraiment sympa à jouer, mais bon, je tirais pas de terrain. C'est-à-dire que là, je crois que j'ai joué 6 ou 7 fois de suite, peut-être même plus, sans tirer un seul terrain. Donc, je dois avoir 25 dans mon deck. Donc c'est vraiment pas de chance, hein. Par contre là, 6 ou 7 fois de suite, c'est trop souvent, c'est trop long. Ça j'utiliserai mais plus tard. C'est vrai que cette carte est vraiment bien. Un deck bleu encore. Alors je pense que ça doit être à la mode hein, parce que... Je peux peut-être le mettre là, l'adversaire intrépide, on va voir. J'en ai 4. Ça vaut le coup, c'est intrépide de le mettre au prochain tour, mais bon, on va voir. Allez, on y va, je maintiens. Même s'il me le contre, je prends pas.
Allez, on y va. Il est un peu coincé là quand même. C'est énormissime, hein. Comment? Voilà, j'ai gagné. Alors, c'est mon deck qui est pas si nul que ça, parce que pour arriver à mélanger une telle de telle combinaison, le gars il va dire en face que j'ai un deck de fou. Vraiment. Là, j'ai eu un ensemble de combinaisons qui se sont vraiment eh ben, bien entendues les unes avec les autres. Ah, c'est pas mal ça. Attaquer avec 30 créatures. Je me rapproche. Alors là, c'est vraiment quelque chose. C'était plutôt sympa, les amis. Franchement, ce combat était très court. Mais voilà, là, c'est comparé aux autres combats. Il y a un enchaînement, une logique, une suite entre les cartes qui se sont compilées les unes avec les autres, mais magnifiquement, pour après, derrière, pouvoir terminer le combat très facilement. Même s'il avait des sorts, des choses comme ça, après, il pouvait rien faire. Alors, voix des bénis, j'aime bien. Après, faut que je gagne des points de vie maintenant. Parce que là, c'est bien, j'ai tiré les cartes, mais j'ai. Voilà, c'est arrivé. Il a que. C'est un défenseur, hein, mais. Rien faire là, ok. Ah oui, quand même. Il est costaud là, il y a du très costaud hein, quand même. Hein. Dommage, hein. J'ai perdu ma voix des bénis. Ah, j'ai pas attendu parce que sinon il a trop d'avance. Et ça va me gêner. C'est pas mal. Ah, si j'arrive à le remettre, lui. Bon, sinon, je vais peut-être en avoir un autre. J'aurais bien aimé avoir ma voix d'ébéni parce qu'avec tout ce que j'ai eu, ça aurait été sympa à jouer. Pas terrible. Ah,
Ah, mais zut. Ah ouais, bah ouais. Oh là là, il a beaucoup de choses d'un seul coup. Ça va être compliqué là. Ouf. Alors, enchanté joueur. Ah, c'est quoi ces cartes de fou? Ah, ces cartes là, elles m'ont tué la partie là, c'est mort. Je peux plus jouer. Allez, c'est perdu, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est n'importe quoi. On a gagné, super. C'est ouais. Ouais, c'est dommage là. Là, il m'a enlevé les cartes à chaque fois. C'est très frustrant là cette partie parce que j'étais pas si mauvais que ça. Mais il a eu les cartes qui m'enlèvent mes cartes à chaque fois. Ah bah j'ai même pas pu attaquer avec 30 créatures. Alors, je repars pour un combat. J'aimerais bien la réussir moi cette mission. Alors c'est mon constat, parce que je joue épisodiquement on va dire. Mon constat c'est que les nouvelles cartes actuelles et les nouvelles mécaniques font que les parties durent moins longtemps, j'ai l'impression. Franchement, j'ai connu des parties où ça se... Vraiment on se tenait la bourre, c'était... C'était très sympa, là, ben non, il n'y a plus rien. On va faire comme ça. Malheureusement, là, s'il n'y en a pas un qui a quelque chose, l'autre en face, il défonce tout. Bon. Peut-être mettre d'abord celle-là et après celle-là. Si, l'occasion, hein. Alors. Aïe, aïe, aïe. Bon. Ah oui. Bon ben voilà, il va m'enlever ma voix des bénis. Ah ben, j'arriverai pas à la jouer. À chaque fois, l'adversaire a un sort et il peut me dégommer ma carte. Voilà. Dommage, hein, vraiment. Hein. À un tour près. Bon, c'est pas grave, mais. Ben, elle est injouable cette carte. Elle a un coût de 3, mais elle est complètement injouable, les amis. Bon, ça va être compliqué. Hein. Je vais mettre l'autre. Oh, il met une créature qui vole en plus. Oh là 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 là. Là, je suis mal barré. Mal barré, mais il faut que. Ouais. Faut que je mette lui, de toute façon, j'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix.
Ah oui, d'accord, ok. Bon, bah allez, j'abandonne, c'est pas la peine. Oh zut, j'avais pas vu à cette particularité. Elle est trop forte cette carte. Alors cette carte là, la sage des flammes Keld, elle est trop forte. Elle est trop forte. Il m'attaque, il prend des cartes dans son deck, ça lui augmente sa puissance, et en plus il crée 3 jetons à chaque fois. Qui, quand il meurt, inflige 1 point de dégâts. Donc en fait, c'est injouable. À n'importe quelle cible. Pour un coup de 3 manas rouges, donc elle est vraiment coûte pas très cher. Et c'est vrai que ça devient ingérable parce qu'on peut la mettre assez vite. Et vraiment embêter l'adversaire, parce que l'adversaire il a peut-être pas eu le temps de construire quoi que ce soit. En tout cas, bah voilà, je vous cache pas que le bilan actuel du jeu actuel, et ben moi je prends pas de plaisir actuellement. Avec ces nouvelles cartes, avec ces nouvelles fonctions. Ouais. Voilà, je vais attendre les prochaines éditions, voir s'il y a des nouvelles mécaniques et des nouvelles choses qui me. Que je trouve plus sympa, qui me bottent plus, mais là. Malheureusement, c'est pas. C'est pas folichon. Wow, costaud. Off you go. Eh ben. Trop chaud là. J'ai 4 terrains, il m'en manque qu'un pour pouvoir mettre l'autre. J'ai pas trop le choix. Je suis complètement moisé. Les amis, c'est pas terrible. Hein. Waouh! J'ai pas de bol. Le fait qu'il m'enlève l'autre là. Pff. Encore une fois, je tombe sur un adversaire qui joue 3 sorts. Et 3 fois, il m'enlève mes cartes sans que je puisse jouer. En fait, c'est pas agréable. Oh, bah, bon, allez, c'est pas la peine de jouer. C'est pas agréable du tout. J'ai pas le temps de jouer que mes adversaires m'étouffent, me détruisent tout ce que j'ai dans mes cartes. Et en fait, il n'y a pas de plaisir. Voilà, c'est mon constat. Alors après, même si j'avais eu un deck super fort, le constat, c'est que je peux pas jouer, en fait. C'est-à-dire que les cartes, les nouvelles mécaniques, proposent des cartes qui vous empêchent de jouer. Donc, à moins de faire pareil et d'empêcher de jouer l'adversaire, moi, ça m'amuse pas, quoi. Moi, j'aime bien l'action, j'aime bien poser des cartes, j'aime bien attaquer, j'aime bien construire des choses. Et en fait, là, ça m'amuse pas parce que c'est beaucoup de sorts, beaucoup de... c'est le constat, en fait. Tous les adversaires que je rencontre, détruisent le jeu adverse sans jouer eux-mêmes et après posent et finissent par gagner. Ouais, c'est dommage, vraiment dommage. On va voir ce que ça va donner pour la suite.
enfin j'ai les deux qui sont ensemble, qui peuvent aller ensemble. On va voir. Ça, ça va être plus intéressant. Après, il va pouvoir mettre du lourd parce qu'il a déjà mis 3 terrains. Waouh. Ok. Ah oui, encore. On va voir ce qu'il va. Je sens qu'il va mettre du lourd dès le début. Là, il a déjà mis mettre 4 terrains. Ok, une créature qui a payé finement. Bon, il va falloir que je joue finement quand même. Par contre. Mince, je suis un peu coincé là. Bon. Pas le choix. Pour l'instant. Ça, à chaque fois que vous attaquez une créature. Ok. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est plutôt intéressant. Celui qui va construire le plus vite en fait, en gros. Alors... Là, j'ai une belle compatibilité entre mes cartes, franchement. Puis alors là, si je ramène 3 cartes de créatures ciblées, ma voix d'ébénie va tout exploser. Il peut pas la contrer. Hein. Elle va être indestructible dès que je vais avoir 10 marqueurs sur elle en fait. Je vais mettre mon escrimeuse célèbre là, je pense. Je vais pas prendre de risques. Puis on verra. Peut-être gagner un combat, hein, les amis. Ok, bon bah là, je fais ça, je fais ça. Alors l'escrimeuse célèbre gagne aussi là. Voilà, et bien écoutez, au moins une victoire. Une autre victoire, parce que tout à l'heure c'était pas vraiment une victoire. Enfin si, mais voilà, encore une fois c'est un truc très rapide. C'est-à-dire que là, boum, d'un seul coup, j'ai toutes les cartes qui combinent ensemble. Et boum, ça se passe super bien et je gagne très rapidement. Voilà, donc il n'y a pas. C'est pas acharné, mais bon, je récupère quand même les récompenses. Donc ça me permet de remonter à 3400 pièces d'or, voilà, donc c'est un peu le constat, les combats sont beaucoup plus courts que ce que j'ai pu connaître à un moment où des fois j'ai pu faire des combats qui duraient une demi-heure, trois quarts d'heure. Mais bon, en tout cas les amis, j'ai quand même pu terminer, je vais terminer cette vidéo sur une belle victoire. Ça permet aussi à chacun de voir un petit peu les combinaisons qu'il y a. Moi j'ai pris que quelques cartes de thème, mais bon, on peut s'orienter sur un thème prédéfini. Voilà, vous vous rendez compte aussi, j'affronte très peu d'adversaires contre deck blanc. Ils ont beaucoup de decks multicolores, mais c'est ce que j'ai constaté un peu sur les dernières familles, les dernières éditions, c'est qu'il y a beaucoup de decks multicolores qui sont assez puissants quand on utilise des sorts, des combinaisons entre eux. Voilà, et ben c'est un peu tous mes adversaires, ils ont quasiment eu tous des decks multicolores. Il n'y a que moi qui me balade avec un deck blanc unique. Mais bon, en tout cas, les amis, ça permet de découvrir énormément de combinaisons, énormément de cartes intéressantes au travers de cette vidéo. Voilà, les amis, et ben écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.